Bienvenue sur Naturae Lapides. Le cinabre est le plus simple des sulfures de mercure de formule AGS. Notre échantillon est composé d'une nappe de cristaux de dolomite, blancs et brillants, comportant de beaux petits cristaux rouges profonds de cinabre. Décrit pour la première fois par le philosophe grec Théophraste en -371 dans le Périlithon, son ouvrage sur les pierres, le cinabre est connu depuis le néolithique. L'étymologie est compliquée par cette ancienneté, mais Théophraste l'appelle cinabari, associé à une résine rouge sang pour sa couleur. Le cinabre est un minéral d'importance capitale, car il constitue le seul minerai de mercure actuellement exploité dans moins de 10 mines au monde. Regardons notre échantillon. Le cinabre se présente le plus souvent en masse granulaire de couleur rouge carmin à rouge vermillon, se ternissant en rouge brunâtre puis gris noir à éclat métallique, avec parfois des gouttelettes de mercure natif. Ou bien en cristaux tabulaires rouge sang comme sur notre échantillon, qui s'assombrissent avec le temps. Il faut lire sur Wikipédia les entrelacs de l'histoire du cinabre avec celle des hommes et de l'alchimie, la toxicité du mercure lui donnant des pouvoirs supposés ou réels, par exemple pour soigner la syphilis. L'amalgame d'or et de cinabre conduisait à l'immortalité pour les Chinois antiques, et ce produit est toujours fabriqué en Inde sous le nom de Makarad Vaja. Notre spécimen a beaucoup d'histoires à raconter avec ses beaux cristaux de sang. A bientôt sur Naturae Lapides.